Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobiti et on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Préserve, tout simplement puisqu'il y a eu une mise à jour qui rajoute 5 nouveaux puzzles par biome, donc un total de 15 nouveaux puzzles. On va tout de suite attaquer ceux du biome continental. C'est parti! Et du coup, quand on se retrouve sur l'écran du mode puzzle, donc pas le mode classique, mais bien le mode puzzle, on voit qu'on a une petite flèche qui est apparue. Donc je les ai fait justement pour pas avoir de mauvaises surprises et pas vous permettre de me voir galérer pendant 107 ans. Et du coup, on a 5 nouveaux puzzles disponibles et on voit que... ils envisagent éventuellement de nous en mettre d'autres, puisque il y a des petites choses qui sont verrouillées. Et comme je suis arrivée jusqu'au bout, c'est bien que peut-être ils nous proposent quelque chose de plus pour plus tard. Donc je me suis mis ma petite anti-sèche au cas où j'en ai besoin. Et on va tout de suite attaquer le puzzle numéro 11. Alors, on se retrouve sur une très grande map. On a 12 de fleurs, 12 de marais, 6 de blé et 12 de montagnes. On a un certain nombre d'animaux et surtout, on n'a qu'une seule rivière pour irriguer tout ça. C'est-à-dire qu'avec notre rivière, il va falloir qu'on soit capable d'irriguer 12 plus 12 plus 6. Autrement dit, 30 tuiles. Alors, on voit que c'est séparé en deux parties. Et je rappelle, on est dans le biome continental, donc on n'a pas le choix. Notre rivière va commencer sur une de ces deux tuiles-là. Ce qui serait tentant, c'est d'en rajouter une de plus, comme ça. Et on voit par rapport au niveau qu'on va descendre assez vite. Et que du coup, toutes les tuiles assez hautes vont être irriguées de facto, on va dire. Puisqu'en fait, on va être obligé de laisser passer la rivière soit d'un côté, soit de l'autre. On va regarder un peu ce qui est possible. En gros, soit on part de ce côté-ci. Et on va plus ou moins jusqu'au bout. Et dans ce cas-là, on est un peu coincé en fait avec le marais. Parce que le marais doit être posé tout en bas. Et là, on n'a rien du tout pour poser notre marais tout en bas. Enfin, on a trois par-ci, deux par-là. On est un petit peu coincé. Ce qui donne envie de commencer de l'autre côté. Alors, la petite astuce, c'est de faire tout le tour ici pour avoir un tout petit peu plus d'irrigation et surtout pour pouvoir irriguer celles qui sont plus bas. Ensuite, on serpente tranquillement jusqu'au bout. Voilà. Et du coup, donc on commence par ce qui bloque le plus vite, c'est-à-dire le marais. Et je pense que j'ai un petit peu loupé ça. Peut-être pas. On va voir. Donc, mon marais. C'est parfait. Je vais mettre les fleurs. C'est parfait également. On va mettre... les montagnes. Alors les montagnes, elles peuvent pas être mises en bas, dans les basses terres. Donc on va voir. Et d'ici, en fait, on voit que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut pas faire 12. Et ici, 1, 2, 3, 4. On peut pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, on va faire 2 x 6, tout simplement.
C'est ce qui me paraît le plus simple. Il me reste du blé. Ici, j'ai un paquet de 5. Et que de 5, malheureusement. Je vais mettre ça ici. Et ensuite, on va poser nos animaux. Alors, nos animaux. Dans le marais. Dans le marais. Dans le marais. Dans les fleurs. Dans les fleurs. Dans les fleurs. Ici, je peux en mettre qu'un. Donc, on met le castor. Et ici, bah, peu importe, parce qu'on va pas réussir à aller jusqu'à 3. Et on est pas mal. Donc on a un fleuve qui est de 24. Donc on voit qu'ils ont un petit peu changé le système d'icônes. Je sais pas s'ils ont changé la... Non, ils ont pas changé le... LED. Ce qui fait que je trouve que c'est peut-être un petit peu moins clair de savoir combien de points va nous donner la rivière. Mais je rappelle, le jeu est en early access pour l'instant, donc pour l'instant, il n'y a pas de soucis, y a pas, tout est encore possible, tout est encore réalisable. Alors, pour celui-là, voilà, je mets ma petite chute-chute pour tricher. Donc on a plein d'animaux. On a une énorme montagne à 36. On a un petit peu 12 de marais et on a 12 de fleurs. On a de quoi arroser de manière normale, un fleuve et un lac. Alors là, la question, ça va être tout simplement, on va être en fait sur le même type de problème, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre notre marais que en bas, et on va pouvoir mettre nos montagnes que en haut. Sachant que, vu le nombre d'animaux qu'on a, on en a quand même 9 qui vivent dans les montagnes. On se doute quand même bien qu'on va pas faire une grosse montagne à 36, mais plutôt 3 montagnes à 12. Alors, pour ça, on va bah, du coup commencer notre rivière par ici. Et moi, je vais la commencer ici, puisque je sais que c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, je crois. Est-ce qu'il faut que j'aille jusque là ou pas? Je dirais oui. Au pire, c'est peut-être pas ça. Je vais mettre un petit coup d'eau juste ici. Ça devrait me permettre de poser mon marais. Parfait, j'ai posé mon marais. On va mettre les fleurs ici, puisqu'on sait que c'est une hauteur qui n'est pas suffisante pour la montagne. Je vais... Hop. Je peux pas mettre ma montagne ici. Je peux la mettre sans souci à cette hauteur-là, mais je peux pas la mettre ici. Donc on va forcément avoir les fleurs de cette manière-là. On peut se douter plus ou moins que vu que les fleurs elles peuvent aller en hauteur, qu'on va peut-être devoir utiliser nos fleurs pour... séparer un peu tout ça. Et on va commencer les choses marrantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que je mets 9? Est-ce que je mets 10? Est-ce que je mettrai 11? Et est-ce que je mettrai 12? Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et maintenant, ici, bah pour pas que ça rejoigne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On est pas mal. Alors, où est-ce que je peux mettre le lac pour irriguer de manière sympa?
Je peux le mettre là, c'est pas mal. Je vais avoir besoin d'un peu d'eau ici, d'un peu d'eau là. Ce qui me fait que je peux continuer d'un côté ou de l'autre. Nos petites fleurs. Il va me rester 4 pour arroser un peu ce que j'ai envie. Et surtout, on va commencer à mettre les animaux où il faut. Alors, dans le marais, hop, on peut en mettre 3 différents. Dans les montagnes, je mets un loup dans chaque montagne. Je mets un aigle dans chaque montagne. Et je mets une chèvre dans chaque montagne. Il me reste 3 animaux. Ça a l'air plutôt pas mal. Et du coup, il me reste 4 à arroser. Donc, où j'ai envie. Où j'ai envie tant que c'est possible, on va dire, hein. Hop. Et voilà. Donc, du coup, on a quelques cases vides qui nous permettent en fait de faire les séparateurs. Je pense pas qu'on puisse se dire de rallonger le fleuve typiquement. Non, on peut pas de toute façon. Enfin, peut-être à rallonger le. À changer la forme du marais, mais vu le nombre de points, je pense qu'on est vraiment pas mal. Du coup, on passe à celui d'après. Hop! Alors là, on est sur une petite forme complètement symétrique. On a plein d'animaux, 12 d'arbres, 12 de pierres, 12 de blé et 12 de marais. On a 3 lacs et de quoi arroser un petit peu partout. Alors ici, l'astuce, en fait, c'est que on a trop de tuiles. C'est-à-dire que c'est un piège, on essaie de nous piéger, et on a en fait trop de tuiles. Et on va surtout être limité par le fait que, bah, comme d'habitude, notre marais, il doit être plutôt en bas. On va d'abord tout arroser. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est symétrique, donc il n'y a vraiment pas de question à se poser. On arrose tout de manière symétrique. Et on a suffisamment pour tout irriguer. Ensuite, l'idée, c'est de réussir à faire 12 de marais, sachant qu'on ne peut pas les mettre là, typiquement. Donc, si je veux avoir un habitat qui se prolonge par ici, on va dire, bah, je vais commencer par là. Donc, hop, je tourne. Hop! Je vais mettre la petite pop-up. Voilà. Ensuite, bah, je vais prendre un autre habitat, par exemple la forêt. Et je fais exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, je peux me dire que je monte, par exemple. Il n'y a pas de souci. Et il me reste du blé pour faire ça. Ce qui fait que du coup, eh ben, je ne vais pas utiliser mes 12 de pierre. J'en utilise seulement 7. Et bah, on met nos animaux donc dans le marais, dans le marais, dans le marais, dans le champ de blé, dans le champ de blé, dans le champ de blé, dans la forêt, dans la forêt, dans la forêt. Et voilà. Et en plus, on voit qu'on n'a même pas d'animaux dans nos montagnes. Donc là, on a vraiment essayé de nous piéger. Et on va passer au suivant. Alors, le suivant, c'est un peu la même punition que celui d'avant. On a 36 de montagnes et on a, eh ben,
que des animaux qui vont dans la montagne. Alors là, l'idée, c'est bah, de faire un peu comme on a envie, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a rien à irriguer. Donc, 1, 2, 3, 4. On va dire, je fais ça comme ça. Je suis à combien? Je suis à 10. Je peux aller là, par exemple. Hop. Faire ça comme ça. Ah! Pas tout à fait. Pas tout à fait, pas tout à fait. J'ai pas bien choisi mes emplacements. On recommence. Donc, on va faire un petit peu différemment. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je vais prendre le 12e ici. Parce que ça paraît pas mal ici. Ça me paraît pas mal. Ça me fait ça. Et du coup... Parfait! Voilà. On a nos trois environnements. Donc on met un aigle dans chaque, un loup dans chaque et une chèvre dans chaque. Et voilà! Il nous reste, si je sais bien compter, un dernier puzzle. Voilà, qui est un puzzle où on a 6 lacs pour irriguer. Et seulement des lacs et où on a bah, tous les biomes. Ici on a seulement 6 avec de fleurs et seulement 6 de blé et on a un petit paquet d'animaux. Alors j'allais dire la chose évidente, c'est de placer la montagne d'abord, oui mais non, parce qu'on peut aussi placer les lacs qui vont peut-être nous aider un peu plus. Qu'est-ce que je peux faire d'intelligent? Qu'est-ce que je peux faire d'intelligent? Bah, je mettrais bien ici. Vu que là c'est déjà irrigué, je mettrais bien quelque chose là. Peut-être quelque chose ici. Là. On va essayer juste de... d'irriguer un peu partout. Il m'en reste un. J'ai pas irrigué là. Est-ce que j'irrigue plutôt là ou est-ce que j'irrigue plutôt là? Je sais pas. Je vais poser ma montagne du coup. L'idée c'est que je vais plus ou moins pas gérer ma montagne. Je peux me mettre ici ou je peux me mettre là. Ça change pas grand-chose. Je vais me mettre ici. Hop. Voilà. Donc il me reste un lac, hein, je l'oublie pas. Je vais utiliser les tuiles les plus basses pour mettre notre marais. C'est parfait. Ensuite, bah, par exemple, je vais mettre les 6 là. Comme ça. Et les 12. Par exemple ici. Ça voudrait dire que je pourrais irriguer par exemple là pour pouvoir mettre mes 6 fleurs. Ensuite, mettons nos animaux où il faut. Alors j'ai que les sangliers qui vont dans le marais. Donc je vais mettre mes 3 sangliers dans le marais. J'ai que les loups qui vont dans la montagne. Donc je mets mes 3 loups dans la montagne. Par contre, du coup, je me retrouve avec 3 animaux qui vont dans la forêt. Donc on va mettre nos 3 animaux dans la forêt. Les 2 biches dans le champ de blé. Et les 2 renards dans le champ de fleurs. Du coup, bah, j'ai fait un score qui est un petit peu plus élevé que prévu. Tant mieux, on va dire. C'est super cool.
En tout cas, voilà. Et du coup, on a fini. On voit que pour l'instant, on n'a pas de prochain. On a seulement 5 nouveaux niveaux, mais comme je le disais, le jeu est encore en early access. On peut s'attendre à avoir de nouveaux puzzles dans un futur plus ou moins proche. Et voilà, voilà ce qui clôt nos 5 nouveaux puzzles, donc les puzzles 11 à 15 du biome continental. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye!